Bonjour tout le monde, aujourd'hui le message est comment activer la faveur divine? Activer, c'est agir, exercer, accélérer, comment déclencher, c'est mettre en marche, lancer, provoquer. Ok, comment activer la faveur divine dans notre vie, comment l'activer? Ben, je vais vous donner les exemples que moi j'ai eu dans ma vie. Ok, un peu d'exemples sur ce qui s'est passé dans ma vie. Ben, pour ceux qui veulent la faveur divine, qui veulent que la faveur divine coule sur leur vie et qui ne savent pas comment, ben, un. Ça prend une décision. Moi, chaque année, à partir de l'année 2011 qui a passé, j'ai décidé de prendre. J'ai pris une décision. Ok? Donc, un, ça prend une décision d'abord de sortir. Ça prend une décision de sortir là où on est. Ça m'a pris une décision de dire, ben, je ne veux plus rester comme j'étais cette année, l'année qui vient, la nouvelle année qui vient là, je ne veux plus rester. Par exemple, on peut dire, l'année qui va venir, 2016 qui arrive, de la manière que j'étais en année 2015, je ne veux plus être la même personne. Je veux une meilleure vie remplie de grâce, remplie de faveur de Dieu, de bénédiction de Dieu. Donc, c'est cette décision-là que j'avais prise pendant l'année 2011. J'ai décidé de ne plus rester la même personne. Et comme j'étais, si vous me connaissez ou bien vous avez écouté mes témoignages, j'étais tourmentée par l'esprit de fétiche et je voulais que ma vie change. Donc, je voulais à tout prix faire ce qu'il faut faire pour que ma vie change. Je ne voulais pas avoir la même vie. Donc, j'ai pris une décision. J'ai dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai décidé, je me suis dit, on est en décembre et j'avais un peu d'argent. Donc, j'ai décidé de donner l'argent à l'église. OK? Donc, ben, je suis allée un peu vite. OK? Donc, comment activer la faveur divine de Dieu? C'est d'abord prendre une décision. Prends une décision de changer de vie, d'avoir une meilleure vie et de ne pas rester là où tu es. Et ben, cela t'attire à te dire ou te demander. Ben, je veux obtenir quelque chose de Dieu. Donc, comme tu veux obtenir quelque chose de Dieu, j'ai écrit la parole quelque part là. Comme tu veux obtenir quelque chose de Dieu, ben, qu'est-ce que tu fais? Quand tu veux obtenir quelque chose de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la parole. Je lisais la Bible pendant longtemps. Et je regardais, je voyais la parole de Luc qui dit, Luc 6, verset 38, qui dit, excusez-moi, qui dit, donnez aux autres et Dieu vous donnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Je me suis arrêtée, j'ai dit, donnez aux autres et Dieu vous donnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. Bon, Dieu a dit de donner aux autres. Et il me donnera quelque chose. Donc, je me suis dit, OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accepté cette parole qui me dit, donne aux autres et Dieu te donnera. J'ai prié et je l'ai mis en pratique. Dans l'année 2011 qui était arrivée, et j'ai pris une décision, je dis, ben, cette année 2011, je veux donner quelque chose et j'ai donné. Quelque chose de l'argent à l'église. Et là, je ne me suis pas arrêtée là seulement.
Mon téléphone a sonné et on m'appelle, on me dit, ben, est-ce que tu veux faire des dons aux pauvres qui sont en Israël? Oui, qui sont... Tu veux faire des dons? Est-ce que tu veux faire des dons? Bon, ça m'a aidé parce que je cherchais comment faire pour donner aussi. Et là, j'ai dit, ben oui. Et puis, j'ai pris des notes, j'ai signé, ben, j'ai fait des dons. Et je ne me suis pas arrêtée là, j'ai cherché où donner. Par exemple, dans les autres ministères aussi, où les gens aident les pauvres. Donc, j'ai essayé. Mais avant de donner, ça n'avait rien à voir avec mes 10%. Hein. Ça, c'était des dons comme ça que je voulais moi-même faire. Donc, ça n'avait rien à voir avec les 10%. J'ai décidé, je me suis dit, je sais que Dieu est réel, je reconnais que Dieu est réel, mais je veux une meilleure vie, je ne veux plus rester la même personne que j'étais avant. Et là, si c'est ton cas, ben je sais pas, hein, je sais pas si toi tu veux rester là où tu es, mais moi j'ai décidé d'avoir une meilleure vie et j'ai décidé d'aller au-delà de ce que j'avais. De ma connaissance, d'aller en profondeur avec Dieu. Et ça prend vraiment la parole de Dieu qui dit donne aux autres et Dieu te donnera. Donc j'ai appliqué cette parole-là. Et quand je l'ai fait, et j'ai eu des résultats, étaient bien parce que j'étais possédée de. J'ai été délivrée de. Parce que j'ai eu le fétiche, mais il y avait d'autres choses qui étaient là. Donc, ben, Dieu m'a délivré. Quand j'ai fait le don, Dieu m'a délivré de quelque chose qui était là, que je ne savais pas. Que je sentais qu'il y avait quelque chose, mais Dieu m'a délivré de cela. Et dans le même mois, Dieu m'a parlé. Ok, Dieu parle. Ben nous, les chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, on sait que Dieu est vivant, il parle. Et Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, tu es béni. Il m'a dit, tu es béni, tes enfants et toi, vous êtes béni. Et j'ai dit, Amen. Et je savais que j'étais béni, j'ai été délivrée de d'autres esprits que je possédais. Et ben c'est comme ça. Comment déclencher la faveur divine de Dieu. Eh bien, Dieu a dit, donne aux autres et Dieu vous donnera. Mais on ne peut pas voir Dieu pour donner, on ne peut pas, oui, il a dit dans sa parole, donne aux autres et Dieu vous donnera. Comment on donne aux autres? Les gens que Dieu a mis pour travailler pour lui. OK? Par exemple, ceux qui m'ont appelé, c'est une organisation chrétienne qui m'ont appelé, qui dit, est-ce que tu veux faire partie de ça? Et j'ai dit, oui, mais tu vois, donc c'est Dieu qui les a mis. Ben, si tu participes à ce qu'ils font là, vraiment, tu seras béni. Ben, c'est ce que j'ai fait, j'ai été béni et je ne regrette pas. Je ne regrette pas ce que j'ai donné. L'argent, avant ce que je faisais, lorsque je travaillais, j'étais plus dans ma famille. Ma famille en Afrique, tout ce que je faisais, c'était pour ma famille. Famille, famille, famille. Quand le téléphone sonne, quand quelqu'un tousse, donne ça, je donne. Donne ceci, je donne. Mais. Lorsque je donnais, je ne vous dis pas de ne rien donner à votre famille, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est une façon d'expliquer que vraiment c'était ma famille, c'est comme moi. Donc c'était comme moi, ma famille, mes enfants, c'était seulement ça. Et je n'ai rien eu dedans. J'ai même plus perdu, ce n'est pas ma famille qui a pris, mais j'ai été volée. Les gens m'ont volé beaucoup d'argent et je perdais chaque fois. Donc j'avais besoin vraiment de Dieu dans ma vie. Et si tu es dans cette situation, ben c'est le conseil que je te donne. Dieu a dit donne aux autres et il te donnera. Donc applique ça, accepte d'avoir cette parole
Reconnais que cette parole vient de Dieu et accepte dans ta vie et Dieu va t'aider. Donc c'est comme ça. Je perdais tout et c'était comme... je n'ai rien eu quand je faisais cela. Mais lorsque j'ai investi dans le royaume de Dieu, Dieu m'a répondu. Vraiment, Dieu m'a répondu, il m'a aidé. Donc voici une de ces paroles que j'aime. Je vais le lire un peu rapidement. Et ça, vraiment, ça, quand je lis ça, vraiment, j'aime la parole et je l'applique. Je ne le lis pas comme ça, mais je l'applique. Et c'est la même chose pour tout le monde. C'est dans Matthieu 25, verset 41. Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudit, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Ok? Donc, il leur répondit. Ils lui répondront alors, Seigneur, quand t'avons-nous vu ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade et en prison et ne t'avons-nous pas secouru? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. J'aime cette partie. Toutes les fois que vous en l'avez fait à un de ses plus petits, le roi, je leur déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à un de ses plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Vous ne l'avez pas fait à moi non plus. Et ils iront subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Donc, lorsqu'on donne ceux qui se promènent avec les paroles pour dire de ne pas donner, ce sont rien que des perdants. Parce que la parole de Dieu nous dit donne aux autres. Et Dieu vous donnera. Et Dieu est... Car la parole nous dit aussi, car Dieu a tellement aimé le monde. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Donc Dieu est la personne de donner. C'est Dieu qui donne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Ok, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, qu'il ait la vie éternelle. Dieu est le premier qui donne. Donc ceux qui sont contre la parole qui dit donner là, ce sont rien que des perdants. Donc moi je vous conseille d'appliquer cette parole qui dit donner aux autres et Dieu vous donnera. Donc sois béni. Comment activer la faveur? Activer la faveur divine de Dieu. Sois béni. Okay, bye.